Bonjour. Lorsque vous avez des mind maps importantes avec énormément d'informations, elles deviennent vite ingérables et prennent des proportions énormes, comme celle-ci. Vous voyez la dimension de la carte et de la partie outil de cette carte. Ça devient rapidement ingérable. Donc, comment faire pour se décharger d'une partie de l'information? Il y a deux techniques. Et là, je vais vous en montrer une première, qui est la création d'une carte secondaire. C'est-à-dire que je vais utiliser la branche outils et je vais en faire une nouvelle mind map qui sera liée à celle-ci. Donc c'est la technique de la carte secondaire. Alors comment faire? Je choisis le sujet que je veux transformer en carte secondaire et dans le menu outils, je choisis créer comme une map. Donc voilà. Alors la carte. Donc vous avez un menu qui s'ouvre avec une nouvelle carte, mes outils. Je vais indiquer mes outils EAP pour être certain de pouvoir connecter les deux, en tout cas de pouvoir reconnaître les deux. Voilà, vous voyez que toute la partie outils, ou en tout cas toute la partie de la branche outils qui m'encombrait a disparu. Et si on regarde bien ici, vous allez voir qu'elle a été remplacée par un hyperlien. Et cet hyperlien me dit lien vers la map, mes outils EAP. Donc si je clique sur cet hyperlien, j'arrive sur une nouvelle mind map. Voilà, et cette mind map, c'est mes outils. Je vais la mettre en forme. Voilà, donc j'ai une mind map radiale. Et je me rends compte que dans mes outils, il y a encore des branches particulièrement fournies. Donc je peux encore travailler là-dessus et je pourrais dire par exemple ben, les outils de publication qui sont particulièrement nombreux, je vais aussi les transformer en une autre mind map. Donc voilà, outils, créer comme map. Alors, je vais mettre outils de publication EAP. Donc outils de publication dans mon environnement d'apprentissage personnel, voilà. Les outils de partage ne sont pas trop nombreux et les outils de veille non plus. Si je clique sur l'hyperlien ici, j'arrive sur une nouvelle carte, voilà, qui est orientée à droite parce que la branche était orientée à droite dans la mind map originale. Donc maintenant, je la transforme en une mind map radiale, voilà. Et donc vous voyez qu'ici j'ai un hyperlien. Si je clique sur l'hyperlien, je reviens vers la map précédente, mes outils. Dans mes outils, j'ai de nouveau un hyperlien. Si je clique dessus, je reviens à ma mind map originale. En réalité, je ne reviens pas, j'ouvre une nouvelle fois la mind map originale. Voilà. Et donc il me reste maintenant ma communauté, mes amis, etc. Mes objectifs d'apprentissage. Tout cela est toujours dans ma carte principale. Mais le reste a été, donc la partie outils a été délestée sur deux autres mind maps. Alors que se passe-t-il si je modifie les deux mind maps secondaires? Dans la mind map principale, il ne se passera rien. Parce que j'ai vraiment délesté toute l'information concernant ces outils sur deux autres mind maps. Et si je transforme ces deux autres mind maps, ça n'a aucune incidence sur la mind map principale. Mais je peux accéder aux trois mind maps via les hyperliens sans problème. Donc voici une première façon de décharger votre mind map d'une partie de l'information.